بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث numéro 700 dans chapitre باب الوعظ والاقتصاد به chapitre الوعظ l'exhortation بيان et l'économie là-dedans, ça veut dire faire une balance. Wa an Abil Yaqdhan Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu ma qal, rapporté par le grand sahabi qui appelle Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu. Ce kunya c'est Abil Yaqdhan. Ammar ibn Yasir c'est garçon de Yasir radiyallahu anhu ma. Donc lui avec son papa, tous les deux tiban sahaba. Alors son papa Yasir, un dimon qui vient depuis Yémen. Et quand l'intan message de l'islam, alors que l'islam tient encore, révélation qui fait que descend. Et donc tient encore, peut cassette, comme on nous dit dans Darul Arqam. Pas tient encore gain l'autre pour proclame message de l'islam ouvertement. Alors Yasir, radiyallahu anhu, il finit accepter l'islam. Bonheur, ça veut dire parmi mon premier dimon qui finit accepter l'islam, c'était Sayyidina Yasir, radiyallahu anhu. Il finit marié avec une madame esclave qui appelle Soumaya, radiyallahu anha. Et Yasir et Soumaya, radiyallahu anhuma, sont reconnus pour être des premiers shahids dans l'islam. Donc, premier shahid dans l'islam, c'est madame Yasir sur madame, ça veut dire Ammar sur maman, qui appelle Soumaya, radiyallahu anha. J'ai fini beaucoup de torture. Et finalement, Abu Jahal fin tuy Soumaya, radiyallahu anha, avec une lance. Après qu'il ait fini torture, lui, quand je n'ai pas fini accepter pour renoncer l'islam, donc j'ai fini reste ferme dans l'islam, j'ai fini subir avant torture. Et donc, premier shahid dans l'islam, c'est Yasir sur maman, Soumaya, radiyallahu anha. Après, son papa Yasir, lui aussi, il fait une shahid. Son frère aussi, Ammar, son frère aussi fait une shahid. Jusqu'à qu'il est tout seul, il reste dans sa famille. Ammar, radiyallahu anhu. Sayyidina Ammar, radiyallahu anhu, il est presque même l'âge avec Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il fait reste ferme, malgré la persécution. Il fait faire hijra en Abyssinie. Après, il fait faire hijra avec Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, dans Madina. Il fait participer dans une bataille dans Badr. Et ben les autres batailles encore. Les fins vivent après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à dans l'époque khilafat de Sayyidina Ali radiyallahu anhu avec Sayyidina Muawiyah radiyallahu anhu. Comment nous connaît, il y a une bataille entre les deux, bataille de Siffin. Et comment nous connaît, il y a un groupe qui tu peux mettre des autres entre les musulmans. Donc entre les partisans Sayyidina Ali radiyallahu anhu et les partisans Sayyidina Muawiyah radiyallahu anhu. Là ça fait une grande bataille entre musulmans et musulmans qui appelle bataille Siffin. Là-dedans il y en a beaucoup fin mot et parmi là-dedans il y a Sayyidina Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu qui finit être assassiné, qui finit shahid. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui prédit ça. Les Fingir qui pour un groupe de ban tyrans, de ban malfaiteurs qui pour assassiner Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin donne lui beaucoup valeur, fin cause beaucoup bon causé pour Ammar radiyallahu anhu. Par exemple, il dit c'est lui qui fait l'ennemité avec Ammar, alors Allah fait l'ennemité avec lui, c'est lui qui pas content Ammar, alors Allah pas content lui. Il y en a beaucoup dans les autres hadiths encore comme ça, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam montrer grandeur de Ammar ibn Yasir radiyallahu anhuma. Alors il dit سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفنتان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. Quand un jimon lui prolonge son namaz et lui fait son khutba vin kout, il fait son namaz vin long et lui fait son khutba vin kout, alors ma'innatun, ça c'est un ma'inna. Alors, ma'inna, Imam al-Nawawi, rahmatullahi alayhi, il explique ici, il dit, alamatun dallatun ala fiqhihi. C'est un signe qui montrait, dimon la, son fiqh. Fiqh, nous pouvons traduire par un mot, par compréhension, mais il est plus que ça.
Alors, hadith là continue, donc, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, fa'atilu as-salah. Alors, faire namaz une plus longue, ça veut dire, lire beaucoup, dans mon ayat Quran, lire beaucoup, waqsuru al-khutbah, et faire khutbah une plus courte. Faire namaz une plus longue, faire khutbah une plus courte. Donc là, il y a quelques bonnes masail qui nous vient expliquer. Nous sommes déjà apprendre le hadith Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit que فَإِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيَقْتَصِرْ. Quand un parmi les autres le fait imam, alors qu'il y raccourcit son namaz. Nous sommes déjà expliqué longuement là, qui manière parce qu'il y a dans ben, du monde qui peut faire namaz, il y a du monde vieux, il y a du monde qui est malade, il y a des enfants. Et il y a des gens qui ont des hajjas, qui ont des nécessités qui ont pu aller après namaz. Donc, pas trop faire namaz, la longue. Alors, nous expliquons qu'il faut dire sur longueur, combien Zohar sur longueur, Asal, Maghrib, Echa, tout ça. Il n'est pas en contradiction, ce hadith ici-là, il n'est pas en contradiction avec ça, l'autre hadith que nous apprenons là. L'autre hadith-là peut dire faire namaz une plus courte. Ici, il peut dire faire namaz une plus longue. Ici, quand on peut dire faire namaz une plus longue là, c'est en relation, en comparaison avec khutbah. Donc là, nous, dans le contexte Juma, c'est concernant namaz Juma. Quand nous avons dès quelque chose d'important dans Juma, et dans des rakat namaz, dans place Zohar, nous faisons 4, nous faisons 10 dès pour Juma. Et là, ça, dès là, dans une certaine façon, il est représenté par khutbah. Donc, il y a namaz avec, il y a khutbah avant, après, il y a namaz. Ça, dès quelque chose d'important. Donc, c'est en comparaison entre ça et là. Faire namaz vient plus long en comparaison avec khutbah. Faire khutbah vient plus court. Ça veut dire, dans Jumma, khutbah supposé plus court que namaz. Namaz Jumma plus long que khutbah. C'est ça qui, ce hadith-là, peut dire ici. Alors, quand un jimoun lui fait ça, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, ça c'est un signe min fiqhihi, un signe de ce fiqh. Fiqh veut dire compréhension, compréhension d'in. Alors nous connaissons fiqh, c'est une discipline dans d'in, c'est-à-dire c'est une science qui lui prend une source, Quran, Sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Athar, Ban Sahaba, In Ajma, In Aqiyas, In Aman, les autres sources, lui tire depuis là-dedans, lui dérive depuis là-dedans, Ban Masail, Ban Masla, Ban Ahkam, pour nous la vie tous les jours. Pour ibadat avec pour mu'amalat. Nous, ibadat, ça veut dire nos relations avec Allah et mu'amalat, nos relations avec ben, les autres dimons. Par exemple, business, nika, tout nous la vit tous les jours, tout ban quelque chose, tout ban aspect nous la vit tous les jours. Ça appelle ça fiqh. Mais fiqh dans langage veut dire compréhension. Rasoul Allah sallam dit à nous qui, quand Allah envie du bien pour un dimon, man arad Allahu bihi khayran, c'est lui qui Allah envie du bien pour lui, yufaqqihu fid din. Il fait lui gagner fiqh, il fait lui gagner compréhension dans din. Donc, fiqh ici veut dire l'incomprendine. Alors, nous capables de dire qu'il y a une façon qui ban faqih comprend. Alors, qui manière ban faqih comprend ça? Khutbah Jumma'ah. Là, il y a des trois masa'il, des trois ban masa'ala qui viennent là. Alors, sa khutbah là, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surah Jumma, c'est un zikr. Zikr ça. يا أيها الذين آمنوا وبنجمون كنا إيمان إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة كائن دونازان بنماز زو جمعة فاسعوا إلى ذكر الله ألو بريسيبيتي آل في ذكر الله وذروا البيع أكيد زد بان بيزنس بان أوكيباسيون تو سالا دونك الذكر سي بان علماء ديا سي سا ميم خطبة لا سا فيني في النماز خطبة مسجد avant خطبة. Alors, ça c'est zikr. Et ben, hadith explique-nous, montre-nous qui, comment dire, il représente sa dirakat dans notre petit fait 4 rakat pour Zohar, on fait 10 pour Juma, ça, comment dire, sa khutbah là, il finit, remplace sa dirakat en moins cela. Alors, compréhension là-dedans, c'est qui c'est zikr. Et quand nous pouvons, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sur ben khutbah dans Juma, il reste bien court. 5 minutes, à peu près. Et là, sur ben khutbah, in garden, recorded, quand nous bougetez, alors il reste bien court, il n'est pas long, il n'est pas demi de temps, ou soit 45 minutes. Donc c'est pour ça que, quand l'imam dit bout de l'omimbal, ce khutbah est bien court. Alors khutbah, il y a certains, ben, quelque chose qui est recommandé là-dedans, qui est important là-dedans. Par exemple, nous faire Allah sur louange, Alhamdulillah, dans différentes façons. Nous faire Daroud et Salam, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, exhortation un petit peu. Et dans Bizan, ayat Quran,
quelques bonnes paroles, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous fait, nous mentionne certains bonnes sahaba et na doa là. Donc il y a certaines bonnes formules qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam in servi, donc il recommandait pour mettre dans khutbah. C'est pour ça que vous trouvez bonnes khutbah et na bonnes paroles qui répétées dans tout bonnes khutbah. Il y a bonnes différences dans bonnes khutbah, mais il y a bonnes paroles qui vous retrouvent les tous les vendredis quand même que ça qui m'a dit doa là. Même qui imam peut faire lire, il y a une parole qui vous retrouvez. Donc, il y a quelque chose qui est recommandé, mais ce qui est important, c'est qu'il écoute. Alors, livrer qui ça l'air du mal, c'est un l'air qui, surtout dans le contexte mauricien, est difficile. Il est difficile qui fait, parce que dans le pays arabe, congé ça, congé public, pareil, comme un dimanche, nous congé ici, dimanche pas travail, dans le pays arabe, vendredi pas travail ça. Alors, dimanche libre, je t'assise, je t'écoute, mais c'est dans le contexte mauricien. Surtout ça l'est là, difficile. Et dans le travail, la majorité du monde est dans le travail, ça l'est là. Alors, il nous redonne-t-il les temps là-dedans? Il y en a beaucoup qui pas travaillent dans ma compagnie musulmane. Donc, négocier un petit les temps, alors pas capable de trop tarder. Bien capable de faire balance. À cause de ça, les bons, pas faire les trop longs. Mais seulement, namaz devient plus long que khutbah là. Donc, si nous en avons pour raccourcir, c'est dans khutbah qui nous raccourcit. À ce là masla vini. Mais sa longue khutba de mi temps là, sa causerie de mi temps là qui était ça. Ça, il pas fait une partie dans namaz Juma. Quand l'imam dit goûter, il fait un bayan, un waz, en créole, dans Maurice, ou soit en anglais, dans les autres places, en français, dans les autres places, dans chacun de son langage. Ça, il pas fait une partie khutba, il pas fait une partie Juma, ça. Ça, quand Dimon peut réunir chaque vendredi, beaucoup Dimon réunit dans masjid. Alors, nous profitons l'occasion, nous passons un message. Si peine à ça, du moins correct. Donc, ça, c'est une occasion pour passer un message. Pas ça qui khutba, c'est un autre. Alors, il y a une nouvelle pratique à ce terme qui fait ça même une khutba là. Quand l'imam peut dibouter le mimbar pour faire zikr, sa khutba qui est important là, qui est nécessaire pour du moins là, faire ça même une sa longue causerie des miettes de temps là, et là, cause-lui en créole tout. En anglais, en français, dans les autres langages, comme on nous connaît, il y était. Alors ça, c'est une pratique qui n'est pas recommandée. Alors, tous les quatre, l'école de pensée, Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali, pas d'accord avec ça. Ou soit il n'est pas bon, ou soit il est makrou. Donc, ce qui est nécessaire, ou soit ce qui est fautement recommandé, c'est qu'il khutbala, il reste en arabe. Khutbala, il reste en arabe. Il parle dans l'autre langage. Alors, c'est pour ça que vous trouvez, par exemple, dans Maurice, et dans beaucoup dans les autres places, sa khutba, l'imam monte le mimbar, juste avant namaz là, il reste bien court. Là, étant donné que la majorité du monde ne comprend pas l'arabe, je ne peux pas comprendre une des petites paroles, mais c'est moi, je ne peux pas comprendre ce qu'il dit là-dedans. À cause ça, fait un bayan avant, un bayan demi-temps avant, pour expliquer Bandi Moun bien, en créole. Saisis l'occasion que Bandi Moun est réuni dans masjid. C'est une pratique nouveau qui fait venir parmi les manraïs mukallidin qui fait khutba là. Ça même sa khutba zikr là, fait lire en créole ou soit dans les autres langages. Libyen rescoute et libyen en arabe, il est important qu'il y ait en arabe. Et comme en namaz, aussi libyen en arabe. Donc libyen en arabe, il y a une formule spécifique, comme on explique, qui vient dire là-dedans. Donc tous les quatre écoles de pensée, pas d'accord avec ça. Malheureusement, nous vous trouvez qu'il est bien répandu aujourd'hui dans le monde entier. Il y a un raisonnement comme un. Mais ben, dis-moi, pas comprendre qu'en cause arabe, à cause ça, nous cause d'autres langages. Dès là, cause d'autres langages, comment nous faire? Nous capables de mettre dans l'autre lait avant ou soit après. Mais seulement, ce moment-là, ça, c'est un rite, ça. C'est un quelque chose spécifique, ça. Les bisins en arabe, ça bout, ça 5 minutes qui nous fait khutba le mimbar là. Malheureusement, donc, comme on finit, il y a un manraïd mukallidin qui, il fait ça venir. C'est une nouvelle pratique qui patienne avant. Ben, même dans l'époque, ben, sahaba, dans l'époque, ban salaf, ban tabéin, ban atba et tabéin, quand l'islam, tu peux expandre partout, tu peux aller vers ban contrée, côté ban dimoun, tu peux accepter l'islam en masse dans ban pays, personne pas qu'en arabe. Mais quand tu peux faire khutba en arabe. Ça bout de khutba là, tu peux faire lire en arabe, ça. Alors, ça a besoin de préserver, il y a quelque chose d'important. Alors, ça, c'était un masla, une parenthèse de nouvelles concernant khutba jumma. Donc, nous retournons dans nos hadiths. Alors, فاطيل الصلاة في نماز بن بليلون وقصروا الخطبة في خطبة بن بليكوت بس كي انا مكو من غزون با دي ايه بارمي لدان دونك في اقتصاد في انبالانس لدان اي بوكي بانزيمون كين غيني
êtes capable de libérer après, parce que sura là il contient dans sura al-Juma, Allah subhanahu wa ta'ala dit fa idha qudiyatis salat, quand namaz est fini, fantashiru fil ardi wa btaghu min fadlillah, alors éparpillez l'eau la terre, wa btaghu min fadlillah, al-ghud Allah so faveur. Il y a beaucoup de gens qui pour reprendre le travail, qui ont une responsabilité. Alors, ils ne vont pas retenir les gens trop longtemps. Alors, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous fiqh, donne nous compréhension dans le din. Parce que quand les gens peuvent faire ça, c'est qu'il mettait dans le hadith là, il montre, il y a un signe qui ça dit qu'il y a fiqh dans lui. Fiqh, donc, nous comprenons les deux façons. Fiqh, ça veut dire qu'il comprend dans le mas'ala, comment faqih comprend. Et quand nous écrit dans le langage, ça veut dire que c'est une compréhension, ça dit que l'on comprend le dîne, Allah a envie de dire bien pour lui. Alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous compréhension dans le dîne. Et fais-nous apprendre ban mas'ala, ban mas'a'il, pour qu'il nous fasse nos ibadat bien, nous fasse nos mu'amalat bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tawfiq, donne ummat tawfiq, préserve dîne, pratique dîne, sharia. Comment ban salaf fin montrer nous, comment depuis tout le temps, nous finissons apprendre et que Allah subhanahu wa ta'ala préserve nous des bonnes distorsions qui finissent surtout ce dernier siècle-là. Et que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous une compréhension dans le dîn, fait nous une sagesse dans le dîn, nous pratique nous dîn, comment les content, comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam finissons enseigne nous et qu'il donne nous succès dans le dîn et dans l'akhirah. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.